Bien le bonjour les amis. Donc, tout d'abord, je voulais remercier encore toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne, c'est super sympa. Toutes les personnes qui ont donné des avis aussi sur les polysolubles. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo encore sur les polysolubles, mais effervescents. Donc on va faire d'abord une première partie avec un peu de chimie. On va parler des polys effervescents, qu'on va essayer de faire des polys effervescents. Mais d'abord, on va faire des tests pour savoir les liquides et les liquides qu'on peut mettre dedans sans que ça commence à mousser au moment que je vais mélanger. Donc, ça va être un peu de la chimie sur cette vidéo-là. J'espère que ça va intéresser les gens et que ça va donner un petit peu d'idées. Donc, j'ai plusieurs produits à tester ici, les produits que j'utilise de base. Donc, on m'a partagé, par rapport aux deux vidéos que j'avais fait sur les polysolubles, il y a des personnes qui m'avaient dit, ben, l'acide citrique et le bicarbonate de sodium, ça fait effervescent. Donc moi, je le savais parce que j'ai déjà fait des expériences moi aussi. Mais j'avais mis ça dans, je sais plus quoi, je sais plus pourquoi j'avais testé ça. Enfin bref, bon, l'acide citrique, c'est alors j'ai fait venir les deux, bicarbonate de sodium, acide citrique. Donc là j'ai 250 grammes et 250 grammes. Donc dans cette vidéo-là, on va tester les liquides à mettre dedans. Mais en fait, ce que je veux voir, c'est par rapport à mes liquides que j'ai, quel liquide il y a de la réaction et quel liquide il n'y a pas de réaction. Donc c'est bon à savoir comme ça. Moi, ça me permettra de faire mes pelés et mettre les liquides qui n'ont pas de réaction avec. Comme ça ne moussera pas dans mon bol et ça moussera que quand ça sera dans l'eau. Donc ça pourrait être top et très très bon à savoir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous plaît. On va commencer l'expérience tout de suite. Donc je vais mélanger une cuillère à soupe de ça, d'acide citrique. Alors l'acide citrique, je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert. C'est complètement inoffensif, vu que c'est utilisé pour l'alimentation. C'est un additif en fait, donc ça peut être pas mal en fait. Hein. C'est un additif. Et en plus de ça, ils s'en servent de conservateur. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça peut conserver et puis avoir un additif dans le pelé soluble. Donc ça peut être intéressant. Et le bicarbonate de sodium, c'est ni plus ni moins pour rendre les aliments moins acides, ou un truc comme ça. Donc, ça c'est de l'acide. Ça c'est très acide et ça c'est très calcaire. Donc il faut savoir que le mélange des deux, quand vous mettez du liquide, vu que c'est très acide et très calcaire, ça forme une réaction et c'est ce qui permet de faire l'effervescence. Vous allez voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, je vais ouvrir mes deux sachets. J'ai pas coupé assez bas, donc ça risque pas de s'ouvrir, évidemment. C'est bien soudé là. J'ai cru que c'était une ouverture facile. J'ai eu l'air fin. Ce que je vais faire, je vais prendre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, de sodium. Voilà. On va le mettre de côté. Et une cuillère à soupe d'acide citrique. Donc on est d'accord, à moitié-moitié, à peu près, hein. Voilà. On a mis à peu près la même dose dans le chaque. Donc on va mélanger les deux produits. On voit déjà que ça fait une espèce de truc bizarre, parce que
Ça fait des trucs durs. Bon, déjà, il y a déjà moitié une réaction qui se fait. Bon, il n'y a pas d'odeur. Hein. Donc voilà. Là, on est. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous descendre un peu. Voilà, comme ça, vous verrez mieux l'expérience. Donc, je vais prendre quelque chose pour surhausser la cuillère. On va mettre là, du mélange dedans. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va vous mettre comme ça. Donc, je vais mettre. Voilà, alors on va commencer avec de l'eau déjà. Voir la réaction. Vous êtes prêts? Vous voyez? C'est vraiment réactif tout de suite. Bon là déjà c'est avec de l'eau. Donc là vous voyez qu'avec de l'eau ça fait une réaction tout de suite. Allez, on va essayer maintenant avec d'autres produits. Là on va essayer avec de l'hydrolysate de foie. Oh, c'est dégueu. Alors vous voyez, ça gonfle, donc il y a une petite réaction quand même. Beaucoup moins importante. Mais vous voyez, ça fait quand même. C'est parce que c'est épais, mais ça fait quand même une réaction. Donc l'hydrolysate de foie à éviter. On va noter que les produits qui n'ont pas de réaction. Maintenant, on va essayer avec de l'hydrolysate de krill. À mon avis, ça va faire pareil que l'hydrolysate de foie. Donc, vous voyez, ouais, ça fait. Mince, je vous ai pas mis assez près. Hop. Là, comme vous voyez. Ça forme une petite réaction aussi, ça mousse. Donc, ce produit, pas bon non plus. Maintenant, l'hydrolysate de saumon. À mon avis, ça va être pareil. Ah, ah, ah. On voit bien que ça forme de la mousse, hein. Vous voyez bien. Donc l'hydrolysate de saumon à éviter. Bah, décidément, il n'y a pas grand chose qui va dedans. Maintenant, on va tester le liquide de Tiger, extrait de Tiger. Là, c'est intéressant. Extrait de Tiger, j'ai l'impression, aucune réaction.
Ah, si, quand même un peu. Regardez. Petite réaction, mais c'est très peu. Donc, il serait tailleur, je dirais que c'est pas mal. Donc, je vais le noter. Maintenant, on va tester avec le corn split liqueur, enfin le CSL. Bon, ça, à mon avis, il va y avoir une réaction vu que c'est fait avec de l'eau. Il y a de l'eau dedans dans la construction. Mais bon, ça coûte rien d'essayer en vidéo. Ben direct. Direct, on voit que ça mousse un peu. L'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits à mettre dedans. Mais moi, c'est pas le plus important que je mette dedans. Donc bon, le CSL, c'est même pas la peine. Hein. Là, c'est à éviter. Sûr. Maintenant, on va essayer avec des huiles. Une petite lichette d'huile. Là, c'est de l'huile de maïs. Alors ça, c'est parfait. Évidemment, je m'en doute un peu. Alors là, l'huile de maïs. Aucune réaction. Donc l'huile de maïs, c'est bon. Et voir si je mets de l'eau maintenant. Aucune réaction. Et après, si on rajoute dans l'eau. Ça mousse. Donc là, l'huile de maïs, c'est top. Maintenant, test avec de l'huile de saumon. À mon avis, je pense que toutes les huiles devraient marcher, mais vaut mieux tester, ça coûte rien. Hop. Là, on est pareil. Aucune réaction. Et là, si on rajoute de l'eau, hop, y a réaction. Donc, huile de maïs, huile de saumon, nickel. Puis ça, c'est le principal que je mets dans mes pellets, ça tombe bien. Les huiles, parfait. Donc maintenant, on va passer à l'huile de chènevis. En espérant que ça fasse la même réaction que celle du saumon et du maïs. Parce que l'huile de chènevis, c'est très très bon ça. Elle est de belle couleur. Ben, on voit que c'est bon ça. Ouais, mais aucune réaction non plus. Je mélange bien, non, ça fait rien du tout. Donc là, ben, si on y ajoute de l'eau, forcément, ça va mousser. Good pour l'huile de chènevis. Alors maintenant, nous allons tester la mélasse. Ça, c'est pareil, j'espère que ça va marcher. Parce que ça c'est très très bon dans les. Attention. Oui. C'est d'en mettre plus pour voir. Peut-être pas mis beaucoup.
Allez, une petite réaction sur la mélasse. Sa pote. Il y a une réaction sur la mélasse, ça c'est chiant par contre. C'est pas une grosse réaction. C'est pas une grosse réaction, mais il y a réaction quand même. Avec de l'eau, c'est encore pire. Merde. On va tester avec le glucose maintenant. Ça, à mon avis, il doit y avoir de l'eau dedans, donc je pense qu'il va y avoir réaction tout de suite. Ou pas. Une petite réaction. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup d'eau. Ça fait un peu comme la mélasse. Ah, si. Ça moussaille. Ça moussaille, moussaillon. Et merde. Ah, par contre. Dès que vous rajoutez de l'eau, ça fait des bulles encore plus. Donc la mélasse et le glucose, vu que ça sera pas complètement, ça peut marcher. À mettre très peu. Donc là, je vais tester une autre alternative pour sucrer. C'est le miel. Ah, il aurait fallu qu'il soit un peu plus liquide, mais bon. J'ai plus de miel liquide. Allez. Le miel, ça a l'air de marcher. Fait de la bonne bouillie. Déjà le miel. Ah, ça fait une petite réaction. Ils ont coupé le miel avec de l'eau, quoi. Ah, c'est bien le miel parce que ça fait pas grand-chose. Vous voyez? Ça fait de la bouillabaisse. Là, ça commence à mousser. Je sais pas si vous le voyez bien. Regardez, ça commence à mousser. Peut-être que le miel marcherait pour le. Ça fait à peu près pareil que la mélasse et le glucose. Ça fait une pâte, mais ça mousse pas. Ça mousse que quand c'est au contact de l'eau. Donc. Ça peut être une alternative pour sucrer. Du moment qu'on n'a pas cette réaction-là, comme vous avez vu au début, vous voyez, là, ça dégueule sur la table tellement ça mousse. Alors qu'avec les liquides, le glucose, le CSL, c'est un petit peu plus. La mélasse et le glucose, ça fait pas du tout comme ça. Ça réagit vraiment quand il est dans l'eau après. Donc le temps de faire les pelées, vu que ça sera mélangé avec les farines et tout, je pense que ça devrait marcher. On va remplir le verre juste pour voir la réaction. Regardez.
voyez la réaction. Donc du moment que ça fait pas ça pendant que je roule les machins, je les mets à déshydrater, je pense que ça devrait le faire entre le passage des deux sur les produits qui moussent pas beaucoup. Pas les hydrolysates, mais CSL très peu, mais là c'est glucose très peu, peut-être un peu de miel pour sucrer. Et c'est pas mal. Allez, je reprends. Donc voilà, on a vu ensemble l'expérience un petit peu des produits qui pourraient faire mousser plus ou moins le pendant la conception des pelés. Donc il n'y a pas grand-chose qui fait pas mousser le truc, hein, comme vous avez vu. Les huiles, c'est sûr, certain. Ça fait pas mousser. L'extrait de Tiger, très peu, ça fait très peu mousser. La réaction se fait pas tout de suite. Donc, vu qu'il y en aura très peu, puis ça sera mélangé avec la farine, c'est ce que je disais, ça peut marcher, quoi. Tout ce qui est huile, extrait de... Après, tout ce qui est foie, krill et saumon, j'en mets jamais dans mes boosts. J'aime pas trop. Par contre, les huiles, ouais, c'est pas mal. Bon, les huiles, il n'y a aucune réaction, donc ça, je suis tranquille, je peux en mettre. Mais là, c'est glucose, une petite réaction, mais comme je disais, ça sera mélangé dans la farine, donc je pense pas que ça ait le temps de faire de réaction tant que je fasse les pelés, que je les mette à déshydrater. Donc, il y a quand même une, deux, trois, quatre, cinq, il y a six produits intéressants. Le miel, c'est pas mal. Petite réaction, mais c'est pas du miel liquide, donc j'avais plus le miel liquide. Donc à voir, à voir, à voir, à voir. Donc si cette vidéo vous a plu, de toute façon je referai une vidéo justement là-dessus. Je vais réfléchir à ce que je vais mettre dedans et on va refaire une vidéo en pelé, mais ça cette fois-ci effervescent, la façon stick comme d'habitude. Pour éviter d'emmener des chaussettes et tout au bord de l'eau. Comme ça, tout est prêt. Mettez ça dans une poche plastique déshydratée et arrivé dans l'eau, ça fond et terminé. Donc, est-ce que effervescent, ça va aider à se dissoudre plus vite? Moi, c'est ce que je veux. Je veux que ça soit instantané. Donc, on va voir. Voilà. Bon. Alors, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. C'est surtout les petits pouces bleus qui font avancer la chaîne. Ça met les vidéos en avant. Et sinon, bah, si t'es pas abonné, abonne-toi. Tu es libre de choix. Allez, ciao, bye bye. À plus tard, les amis. Ciao.